Depuis 2015, Jacques Chirac et son épouse Bernadette vivaient dans un hôtel particulier prêté par leur ami François Pinault, et où l'ancien président de la République s'est éteint le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. Un lieu chargé d'émotions, où l'ex-première dame vit toujours point la dernière demeure de Jacques Chirac. Le 26 septembre dernier, l'ancien président de la République s'est éteint à l'âge de 86 ans rue de Tournon dans le 8e arrondissement de Paris, dans un hôtel particulier prêté par leur ami François Pinault. Cette demeure, le couple Chirac s'y est installé en 2015, après un séjour de l'ancien chef de l'État à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, après une opération du rein. Incapable de retourner vivre dans l'appartement qu'est Voltaire où il vivait depuis la fin de ses deux mandats présidentiels en 2007, et qui avait été acheté pour lui et son époux par l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, il ne tardera pas à y être rejoint par Bernadette Chirac, qui y vit toujours aujourd'hui. Loin d'être seul, l'ex-première dame est entourée de sa seconde famille, à savoir, le personnel de maison qui se tenait derrière elle lors des obsèques de Jacques Chirac. Chambre au premier étage de cet hôtel particulier, où elle accédait par un ascenseur intérieur. C'est désormais au rez-de-chaussée qu'elle vit principalement, aidée d'un fauteuil roulant dans ses déplacements, rapportait Le Monde. Un lieu par ailleurs chargé en émotions pour Bernadette Chirac, puisque c'est ici même qu'elle a célébré avec plusieurs